Catherine Fournier est députée indépendante de Marie-Victorin à l'Assemblée nationale et candidate à la mairie de Longueuil. Elle a promis de faire de cette chanson de Damien Robitaille l'hymne municipal officiel si elle est élue. Madame Fournier, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Lagacé. On vous invite pas pour parler de Damien Robitaille, mais je trouvais que c'était un clin d'œil sympathique. Écoutez, est-ce qu'il y a des municipalités qui ont vraiment des hymnes officiels? Écoute, c'est une bonne question. Moi, je lançais ça un petit peu en boutade. Je voulais faire un clin d'œil à Damien Robitaille parce que franchement, je pense que c'est une chanson super entraînante qui va rester dans l'oreille même de tous les Québécois durant l'été. Puis sincèrement, pourquoi pas être innovant et adopter cet hymne officiellement à Longueuil. Bon, mais ça pourrait être votre thème de campagne, sinon. OK, parlons, vous émettez beaucoup d'idées, vous lancez des idées, vous proposez des motions qui sont parfois adoptées à l'Assemblée nationale, parfois pas, mais on peut pas dire que vous nourrissez pas le débat public. Là, vous lancez cette idée d'abaisser de 18 à 16 ans l'âge légal pour voter. En quoi ça consiste, cette idée-là, à l'Assemblée? Mais en fait, c'est que j'ai déposé un projet de loi ce matin, en fait, qui est l'aboutissement de beaucoup de recherches sur le sujet à travers les années. J'ai collaboré d'ailleurs avec un étudiant que je salue du nom de Philippe Granger, qui a mobilisé un réseau de gens qui sont intéressés à pousser cette idée-là. Il m'avait contacté il y a un certain temps parce que j'avais parlé, en fait, de cette possibilité dans le premier livre que j'ai publié en 2017, qui traitait de l'importance de l'engagement des jeunes en politique, mais aussi dans la société en général. Donc, c'est de cette façon-là que l'idée a germé. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir la présenter officiellement aujourd'hui là, à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça existe dans certaines juridictions du monde, le droit de vote à 16 ans? Oui, tout à fait. Ça existe notamment en Europe, dans certaines régions d'Allemagne. Ça existe également en Autriche depuis 2007. On a également vu l'Écosse adopter cette mesure, là, notamment pour le référendum sur l'indépendance en 2014. Donc oui, ça existe bel et bien ailleurs. OK, je reçois beaucoup de commentaires dans ma messagerie. Là. Les gens peuvent continuer à m'écrire au 985. Ça fait jaser. Oui, je vous le dis, là, ça, c'est assez polarisant. C'est pas une idée qui fait l'unanimité. Droit de vote à 16 ans, jamais. Même à 18 ans, c'est trop jeune. Pas avant 21 ans. Et là, je veux vous entendre là-dessus. On comprend bien que c'est encore là une façon pour la gauche de chercher à gonfler son électorat. Ben, franchement, je pense pas que c'est un bon argument parce que l'intérêt pour la politique ou la connaissance de la chose publique, c'est pas du tout une question d'âge. Vous savez, il y a des gens qui vont voter ou qui choisissent de ne pas aller voter d'ailleurs à 50 ou à 60 ans puis qui s'informent pas vraiment de la politique ou de l'actualité en général. Et à contrario, ben, il y a des jeunes à 16 ans, puis même parfois encore plus jeunes, qui sont intéressés par la chose publique, qui suivent là, assidûment ce qui se passe dans l'actualité. Alors, évidemment, c'est important de donner des outils aux jeunes pour qu'ils puissent exercer de façon éclairée leur devoir de citoyen, que ce soit plus tard dans leur vie ou à partir de 16 ans, si jamais une mesure comme celle-là venait à être adoptée. Ça tombe bien, en fait, parce que dès l'an prochain, au Québec, du moins, si le gouvernement respecte son échéancier, il y aura officiellement des cours d'éducation à la citoyenneté dans les écoles du Québec. Donc, je pense que ce serait un bon message à envoyer que d'assortir de ces nouveaux cours d'un droit de vote abaissé à 16 ans. OK. Mme Fournier, pourquoi 16? Pourquoi pas 17? Pourquoi pas 15? En fait, 16 ans, c'est l'âge qui a été identifié parce que c'est l'âge où tu peux travailler légalement sans demander la permission de tes parents. C'est l'âge également auquel tu peux avoir un permis de conduire. Donc, la société t'octroie des responsabilités, mais en retour, de quelle façon est-ce que tu peux contribuer concrètement? Ce n'est pas clair, d'autant qu'un jeune qui travaille à 16 ans va payer des impôts, évidemment, sur son salaire, va avoir de l'argent à dépenser, donc paiera des taxes à la consommation. Et rendu là, moi, je pense que c'est un principe démocratique, hein, le fameux « no taxation without representation ». Alors, c'est important que les jeunes puissent également participer aux décisions qui vont influencer leur avenir, puis logiquement encore davantage leur avenir, puisqu'il y en a très long devant. Écoutez, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « bon, on pourrait abaisser ». Est-ce qu'il devrait... Puis ça, je sais que c'est une autre idée controversée. Là. Je ne vous dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je vous la soumets. Des gens qui disent qu'à partir d'un certain âge, tu ne devrais plus avoir le droit de vote parce que tu votes pour une société dont tu ne vas pas faire partie à terme. Est-ce qu'il devrait avoir, disons, une sorte de bouchon sur l'âge où on peut voter?
Non, ça, je suis en total désaccord parce que les gens plus âgés ont contribué massivement à la société, à faire en sorte que la société est telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, ils méritent eux également d'avoir une voix démocratique. Puis en fait, je trouve que le vote, ça devrait simplement être élargi le plus possible. Je veux dire, le plus que les gens peuvent participer aux décisions qui vont avoir une influence sur la société, mais tout le monde en ressort gagnant. Puis oui, il y a des gens qui sont plus informés, il y a des gens qui sont plus intéressés, il y en a qui le sont moins, mais c'est l'équilibre aussi qui fait en sorte qu'on est dans une société démocratique. Alors personnellement, je trouve ça très sain. Et le vote à 16 ans, vous savez, M. Lagacé, c'est également une mesure qui permettrait de faire en sorte que les jeunes prennent davantage l'habitude d'aller voter. Puis ça, à mon sens, c'est l'argument majeur pour appuyer cette mesure-là, parce qu'on sait que le taux de participation chez les jeunes est beaucoup plus faible, mais il y a plusieurs études universitaires là, qui démontrent très concrètement, puis l'expérience autrichienne vient ajouter à cet argument-là également, que plus les jeunes commencent à voter tôt, en fait, s'ils votent lorsqu'ils ont la possibilité de le faire pour une première fois, bien, ils ont beaucoup plus de chances de voter dans le futur. Et même qu'il y a 50 % des gens qui n'iront jamais voter dans leur vie s'ils n'ont pas exercé leur droit de vote lors de la première élection auquel ils y ont droit. Et pourquoi 16 ans est préférable à 18 ans, par exemple? Mais c'est parce qu'à 16 ans, la vie est souvent plus stable. Les jeunes habitent encore chez leurs parents, ils fréquentent encore l'école secondaire. Tandis qu'à 18 ans, pour plusieurs, c'est le moment où ils vont quitter le nid familial, c'est le moment où est-ce qu'ils sont aux études supérieures. Donc, ça crée une instabilité qui va possiblement les pousser à ne pas se rendre aux urnes à la première élection où ils ont le droit de vote et conséquemment, possiblement, ne jamais s'y rendre pour le reste de leur vie. Ce que vous me dites, c'est que le taux de participation au vote chez les 18-24 ans, là, on le sait, c'est très bas. Si on l'abaissait, selon vous, là, ça créerait une habitude qui aurait des répercussions même au début de l'âge adulte. Tout à fait. En Autriche, qui a adopté cette mesure-là en 2007, c'est exactement l'effet qu'ils ont constaté. Intéressant. Je peux vous dire, écoutez, c'est pas un référendum qui se passe là, présentement dans ma messagerie au 98985, Mme Fournier, mais peut vous dire que l'idée fait pas l'unanimité loin de là. Pas sûr que vous gagnerez un référendum là-dessus. Il y a quelques commentaires réactionnaires, mais il y a beaucoup de gens qui se demandent l'utilité de ça. Comme les gens disent, écoutez, à 16 ans, les jeunes ne savent même pas, disons, ce qu'ils veulent faire dans la vie, ne s'intéressent pas à l'actualité. Pourquoi on leur donnerait le droit de vote? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais encore une fois, il y a des gens à 50 ou à 60 ans qui ne s'intéressent pas non plus à l'actualité et à ce qui se passe autour d'eux. Il y a plein de jeunes qui ont accompli des choses incroyables à un âge comme celui de 16 ans. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à la jeunesse, à la relève. Je pense que c'est une question, justement, d'équité générationnelle, d'équité démocratique aussi. Élargissons le droit de vote. Je veux dire, ça n'enlève rien à personne. Ça va juste faire en sorte que peut-être même qu'on va réussir à stimuler l'intérêt des jeunes pour la chose publique, d'autant que ça va faire partie des cours à l'école maintenant. Puis ça, ben je le salue. Je pense que c'est une grande avancée pour notre société parce qu'il faut pouvoir donner tous les outils aux jeunes pour exercer justement leur rôle de citoyen de façon éclairée. Puis moi, je vous dis peut-être pas un référendum sur vos lignes, sur les réseaux sociaux également. Je vois que ça génère quand même un très grand enthousiasme. Et bien sûr, c'est une question qui fait l'objet de débats. Puis c'est justement pourquoi j'ai tenu à déposer un projet de loi. C'est la première fois qu'un député là, dépose officiellement un projet de loi en ce sens-là à l'Assemblée nationale. C'est pour générer ce débat public très sain qu'on est en train d'avoir et auquel les auditeurs sont en train de participer. C'est une bonne chose. Moi, je pense qu'une société comme le Québec peut et devrait avoir ce genre de débat-là. Est-ce que le droit de vote devrait être obligatoire? Je sais qu'en Australie, il y a une loi qui oblige les gens à voter sous peine d'amende. Il semble que les amendes soient assez symboliques puis ne soient pas bien souvent distribuées. Mais est-ce que, quand on voit là, qu'il y a certains groupes d'âge surtout qui ne vont pas aux urnes, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Moi, je suis pas favorable là, au vote obligatoire. En fait, moi, je pense que les gens, justement, en position de pouvoir, que les partis, que les élus devraient tout faire en sorte pour gagner la confiance des citoyens puis qu'ils aient le goût de participer au processus électoral, au processus démocratique. Moi, en tout cas, c'est mon objectif comme députée. Ce sera mon objectif si jamais j'obtiens également la confiance des gens de Longueuil pour la mairie cet automne. Mais donc, je pense que c'est à nous de réussir à stimuler la participation électorale.
mais il y a quand même des choses concrètes qu'on peut faire pour intéresser les gens, qu'on peut faire également pour stimuler l'habitude de vote et l'abaissement de l'âge à 16 ans pour avoir la qualité d'électeur en fait partie. Bien, Mme Fournier, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient pour me dire que c'était une fort mauvaise idée, mais je vais vous laisser sur un commentaire positif de Sébastien qui nous écrit. Il y a tellement d'idiots entre 18 et 98 ans qui votent. Je vois pas pourquoi on s'opposerait au vote des 16-17 à part être un vieux plouc. C'est pas mon opinion, c'est celle de quelqu'un qui vous appuie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Salut, c'était Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin et aussi candidate à la mairie de Longueuil.